pas, mais j'ai salué quand même le préfet. Vous avez entendu parler de, des petits princes de Paris? Oui, il a volé du coup. Oui, je sais. Je crois qu'il a volé par obligation parce qu'il fallait bien qu'il survive. Mais bon, c'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. Ouais. Les gens se sont pris de pitié pour lui et il n'a pas pu. Bon, j'espère qu'il méritera une deuxième chance. On ne se quitte plus. Avec la main des armées. Avec cette dame. Bien. Cette dame, c'est la mère. Ah, je ne pas ça du tout quand même aussi. Jonathan là, on a dit chez les Juifs. Tous les trois, tous les trois, monsieur. Attends, on va mettre. On va vous faire la bise. Madame d'Autresse. Merci. Merci. Votre mari va. Oui, quand même. Alors, c'est la règle. Hein. Et à chaque fois que j'entends le grand raconteur, il faut se porter en route. Quand il était en rappel, des armées, il était déjà excellentissime. Et bon, il se bonifie à chaque fois. Ah, oui. C'est curieux, vous détonnez par rapport à tous les autres. Vous êtes la porte-carte de quelqu'un? Je suis le service du protocole de cabinet du préfet de région. Ah, le monsieur le préfet. Ah, le voilà, le voilà. Merci, merci. Merci, monsieur Sarkozy. Merci. Je reviens, comme toi, sur la côte, on a vu les photos, j'ai pas vu les photos, j'ai la tête, moi j'ai serré la main, bonjour.
les Français. Ah, les de Yosef. Yosef Hatzadi. C'est comme Yosef. Tu as mes cordes. Ah, oui. Le fils de Bethléem. Je crois que M. Macron est monté là-haut, en arrière. Salut Jacques. Ah oui. Parce que là-haut, il y a tout un buffet là-haut. Hein. Vous voulez se passer vous n'êtes pas au courant? Il y a un buffet là-haut. Il y en a pour tout un régiment. Et on va les laisser vider le buffet et on ira les rejoindre après. Ah oui. Ah. Ça va bien. Bonjour M. le préfet. Monsieur le recteur, comment allez-vous? Voilà. Le préfet de police. Après 40 ouvrages à la population. Bonsoir. On se voit prochainement. Pourquoi tu figurais tes dossiers? Comment ça va? Pour les 50 ans. Ça va bien? Oui, bien. Pardon. Vous pensez qu'il va sortir par là, monsieur Macron? Ah oui, certain. Ah bon? Il n'est pas monté boire un pot là-haut? Non, mais ça, c'est pour aller se recueillir. Ah bon? Voilà. Non, finalement, le pôle, ce n'est pas pour M. Macron. C'est uniquement pour lui. Non, c'est pour les chanteurs et puis pour les organisateurs. Ah bon, je suis d'Azati, parce que je suis d'Azati et maire. Oui, mais du 7e. Ça va. Monsieur le préfet, c'est un plaisir de vous voir. Matova, très bonne année. Bonnes années à vous aussi, monsieur. Monsieur Cadeau, si vous avez le temps, jetez un coup d'œil à ça. Il parle d'une certaine grève que j'ai commencée depuis 14 juin devant l'Assemblée nationale. Je vais regarder. Le recteur me dit qu'il était content de notre musique, alors je dis c'est aussi la fin. Ah mais ça c'est la musique gardienne de la paix, on est au moins deux à la PP à l'adorer. Et moi j'ai un peu plus d'ancienneté et je prétends être un de ceux qui l'a sauvé. Et toi, merci. Ah oui, ben voilà. Merci, heureuses années. Oui. Carotini,
il va sortir, mais je ne crois pas qu'il va sortir. Bravo. Non, non. Il va sortir, il va sauver. Peut-être. Bonne année. Ça fait de beau. Saint-Julien, je vous vois. Voilà. Et on a même déjeuné ensemble. Oui, absolument. Vous allez mieux. Merci. Allez, à bientôt. À l'occasion de savoir, on va laisser passer un peu les fêtes, un jour on invitera un repas à la synagogue, je suis amical, hors fonction. D'accord. Ça fait plaisir de vous voir en bonne santé. Merci beaucoup. Une bonne santé, pour vous et votre famille. Et pour vous, comment dit-on, bonne santé. Merci, je comprends bien, vous êtes avec monsieur Cadeau. Ah oui. Sortir un bon dernier en lanterne rouge. Je suis là. Oh, bonjour petit. Arrête avec moi. Tourne le côté blanc. Voilà. Tu veux faire quoi, là, tu veux au pays. Le 30 octobre. Est-ce que tu as un... Il est écrit, ok. Je sais pas qui. À qui? Ben, monsieur Macron, c'est pareil. Oui, monsieur Macron, pourrais-je avoir votre signature, votre signature. Voilà.